even get to run. Nous sommes libres. Sans attache. Sans contrainte. Nous repoussons nos limites au volant des voitures les plus rapides. Des voitures qui ne coûtent rien. Nous allons où nous voulons, quand nous voulons, le plus vite possible. Tu peux nous traiter de tous les noms, mais tu as besoin de nous. Nous incarnons la loi. Mais nous ne sommes pas des enfants de cœur. Nous sommes différents. Je mène la vie qui t'a toujours fait peur. Tu dors. Pas moi. Je suis un héros. Celui qui aura son quart d'heure de gloire. Pas toi. Tu te demandes pourquoi je fais tout ça. Je te réponds pourquoi tu veux voir. Nous te mettrons en cage. Je m'échapperai. Nous sommes l'ombre qui ne te lâchera jamais. J'irai jusqu'au bout. Nous te pourchasserons. Tu ne m'attraperas jamais. Nous irons jusqu'au bout. Tu me rendras célèbre. Nous sommes ton choix. Nous te ferons plus. Tu es mon notre ennemi. Tu es notre cible. Tu es mon rival. Bienvenue dans Need for Speed Rivals. Avant de découvrir Redview County, nous allons vous guider. Choisissez votre camp pour commencer la formation. Voici votre planque. On en trouve un peu partout à Redview County et vous ne serez à l'abri des flics nulle part ailleurs. D'ici, vous aurez accès à tout ce qu'il faut pour combattre vos rivaux. Voici votre speed list, le cœur de toute cette rivalité. Cette liste change sans arrêt et vous propose des objectifs qui correspondent à votre style de pilotage. Comme vous débutez, le choix est limité. Mais à l'issue de votre formation, vous aurez le choix entre plusieurs speed lists et vous pourrez modeler votre destin. La planque est à la fois le garage et l'atelier. Choisissez votre voiture, vos dispositifs de poursuite, vos options de personnalisation et vos améliorations de performance. Jetez un œil et on prendra la route après ça. C'est ici que vos voitures stationneront. Les nouvelles voitures sont proposées au fil des speed lists terminées et de votre progression dans les rangs. Vous pouvez investir vos speed points pour acheter des voitures. Vous avez deux emplacements libres pour des dispositifs de poursuite. Gagnez assez de speed points, puis sélectionnez un emplacement et achetez ces dispositifs pour équiper vos voitures. Ici, n'importe quelle voiture deviendra la vôtre. Personnalisez vos véhicules de différentes façons. Peinture, jantes, look et plaque d'immatriculation. Ce n'est pas le choix qui manque. Thank you.
Les premiers speed points gagnés permettent d'acheter de quoi améliorer les performances d'une voiture. Voici votre carte de Redview County, où s'affichent les autres pilotes, les épreuves ouvertes et les lieux de départ à choisir. On va prendre le plus proche, là dehors. Vous êtes prêt pour l'aventure. La speed list choisie apparaît sur la droite de l'écran. Complétez les objectifs de la speed list pour terminer votre formation. Pour définir un itinéraire, regardez la carte ou utilisez Easy Drive en haut à gauche de l'écran. En route. Pour participer à une course, il suffit de s'arrêter sur le lieu de départ et d'appuyer sur la touche. Chaque épreuve peut commencer à tout moment, même en étant poursuivi par les flics. Pour ne pas manquer l'épreuve, ne roulez pas trop vite en arrivant à sa hauteur. Vous pouvez aussi lancer des face-à-face à tout moment en vous rapprochant d'un autre pilote et en appuyant sur la même touche. Les objectifs rapportent des speed points et gonflent le multiplicateur affiché en haut de l'écran. Ils font aussi monter le niveau d'alerte. Plus il est élevé, plus les flics emploient les grands moyens pour vous arrêter. Les flics vous ont trouvé. Il ne faut pas rester là. Les flics ne reculeront devant rien pour vous arrêter. Toute arrestation vous fait perdre vos speed points et votre multiplicateur. Pour semer les flics, pilotez vite et bien. Et servez-vous de la mini-carte en bas à gauche de l'écran pour voir par où passer pour leur échapper. À toutes les unités, présomption de 10-44. L'unité a engagé la poursuite. Demande renfort ou retour à proximité. La barre d'évasion en bas de l'écran indique votre progression. Si un flic vous rattrape pendant ce temps, la poursuite reprend. Attention,
décoration, affrontez n'importe qui à Red Bull Tanti. Calez-vous derrière un pilote ou attendez qu'il vous défie et appuyez sur la touche pour commencer. Terminez votre speed list.
Retournez à la planque pour enlever vos speed points. Utilisez la carte Wheezy Drive en haut à gauche de l'écran pour définir un itinéraire jusqu'à la planque la plus proche, un atelier, une épreuve ou d'autres joueurs. Votre formation de pilote est terminée. Passez dans le camp des flics pour connaître l'ennemi. Il faut toujours se mettre dans la tête de ses rivaux. Apprenez à devenir flic. Bienvenue au sein du Redview County Police Department. Voici l'un des nombreux postes de commande mobile du RCPD. Il y en a dans tout le comté. C'est là que votre formation commence. Voici votre mission du jour. Une fois votre formation terminée, vous pourrez choisir des missions parmi une liste actualisée en permanence et des véhicules spécifiques vous attendront au poste de commande. Au poste de commande, choisissez votre voiture, vos dispositifs de poursuite, personnalisez votre plaque d'immatriculation, choisissez votre unité et prenez une patrouille. Chaque véhicule de poursuite est proposé en trois variantes et autant de styles. Patrouille, intervention et infiltration. Le véhicule attribué dépend de la mission effectuée. Vous êtes de la RCPD.
et vous pouvez investir vos speed points dans divers dispositifs et améliorations. Personnalisez votre plaque d'immatriculation pour défier vos rivaux. Voici la carte RCPD de Radio County. Cette carte fait apparaître les autres flics, les pilotes et les épreuves ouvertes. C'est aussi là que vous choisissez le point de départ de votre patrouille. À l'issue de votre formation, vous pourrez vous rendre dans n'importe quel poste de commande. Vous êtes fin prêt pour votre première patrouille. La mission du jour apparaît sur la droite de l'écran. Complétez les objectifs de la mission pour terminer votre formation. Pour définir un itinéraire, il suffit de regarder la carte ou d'utiliser Easy Drive en haut à gauche de l'écran. Pour commencer une épreuve, roulez jusqu'au point de départ et appuyez sur la touche. Ici, l'objectif est de suivre l'itinéraire RCPD le plus vite et le plus proprement possible. Un collègue a besoin d'aide de toute urgence sur Grapevine Drive. Ordre d'intervenir à toutes les unités disponibles. Je me dirige vers la position indiquée. Contrôle, mettez-moi sur le 10-30. Croisez la route des pilotes à tout moment. Pour lancer une poursuite, appuyez sur la touche pour allumer votre rampe lumineuse. En cas de choc entre un pilote et vous, la poursuite commence automatiquement. Lancera le véhicule en grande excès de vitesse dans mon secteur. Arrêtez un pilote, poursuivez-le et percutez-le avec votre véhicule jusqu'à ce qu'il se plante, ou bien utilisez les dispositifs de poursuite dont vous disposerez. Attention, le suspect prend trop d'avance. Je vois de nouveau le 10-44, il repart en poursuite code 3. Le suspect code 3 est en train de me semer à vous. Quand vous arrêtez un pilote, vous lui prenez ses speed points. Plus le niveau d'alerte du pilote est élevé, plus vous en gagnez. Ces points vous serviront à acquérir et à améliorer de nouveaux dispositifs de poursuite au poste de commande. Bravo, vous avez terminé votre mission. Vous pouvez rentrer au poste de commande. Utilisez la carte ou Easy Drive en haut à gauche de l'écran pour définir un itinéraire pour le poste de commande le plus proche, un atelier, une épreuve ou d'autres joueurs. Nos lecteurs de plaques ont identifié un pilote en excès de vitesse. Ordre d'intercepter à toutes les unités sur zone.
Drive. Votre formation est terminée. Bienvenue dans la RCPD. Radio Canteen n'attend plus que vous. La formation est terminée. Choisissez un camp et affrontez vos rivaux.